Bonjour, bonsoir à toi et bienvenue encore sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réalisé cette coiffure. Avant que tu ne regardes la vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans ce tuto, je vais utiliser la Lotta Body Lotion. C'est une lotion qu'on utilisait beaucoup dans les salons de coiffure au Cameroun. Celles qui sont camerounaises reconnaîtront. Tu peux trouver cette lotion dans les magasins afro ou chinois. Alors, pour placer le flexi roll, tu le places derrière tes cheveux et tu le fixes bien au niveau de tes racines. Tu commences à rouler tes cheveux autour. Donc, après avoir roulé, tu fixes bien encore sur ta racine et tu refermes le flexi roll autour de tes cheveux en évitant que les bouts de tes cheveux ne sortent. Sinon, ça va se détacher. Donc voilà, la procédure est très simple. C'est ce que je vais refaire sur toute ma tête. Appliquer à chaque fois la lotion de mise en pli. Ensuite, peigner et appliquer le flexi roll. Je rappelle que avant de faire cette coiffure, j'ai lavé mes cheveux la veille. Et j'ai démêlé et appliqué juste ma crème de chez Cantu que j'ai déjà fait voir dans mes vidéos précédentes. J'ai pas appliqué beaucoup de produits sur mes cheveux. J'ai pas fait l'hydratation que je fais d'habitude parce que je ne voudrais pas que mes cheveux soient alourdis. Et tu peux constater que j'ai séparé mes cheveux en touffes parce que c'est plus facile pour moi déjà se coiffer et en même temps gérer une caméra et regarder le miroir. Je dois avouer que c'est pas la chose la plus évidente. Donc, si tu veux aussi te coiffer facilement sans trop de difficultés, c'est pas bien tes cheveux en touffe. Et la grosseur de la touffe va déterminer la qualité de la boucle. Plus la touffe est grosse, moins la boucle sera définie. Donc, tout dépendra du rendu que tu voudras obtenir. Si tu veux des cheveux, des boucles bien définies, prends de petites touffes. Moi, j'avais à disposition 22 flexi rolls. Et j'ai utilisé en séparant les touffes avec des grosseurs différentes. Tu remarques que certaines touffes sont plus petites que d'autres en fait. Voilà, je te laisse regarder la suite. Voilà, après avoir tout appliqué, je vais laisser sécher à l'air libre, je vais dormir avec et détacher le lendemain matin. Donc le lendemain, je détache mes boucles et je suis satisfaite du résultat parce que normalement cette coiffure, je pense que ce serait mieux de la réaliser sur des cheveux vraiment secs. Bon, quand je dis sec, des cheveux étirés, hein. Parce que je l'ai réalisé sur mes cheveux étaient encore humides. Mais j'aime bien le résultat des boucles que j'ai obtenues. Donc maintenant, quand tu défais tes flexi rolls, tu sépares les boucles légèrement
Et plus tu sépares les boucles partout, plus tu auras du volume. Donc moi j'aime bien le volume, j'ai séparé les boucles en plusieurs petites touffes. Et après, sur mes bords, j'applique le beurre de mourou-mourou pour lisser un peu les bords. Je ne suis pas trop jeune, hein. Je préfère le plus souvent des beurres ou de l'huile simplement. Je ne me coiffe pas tout le temps avec le gel. Donc j'ai appliqué une petite coiffe sur un côté, comme tu peux constater. Et je vais appliquer la deuxième coiffe sur l'autre côté. Donc voilà un peu le résultat. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien plein et assez défini. Tu as aimé cette coiffure, n'hésite pas à liker et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.